Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio-vision d'espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessine un nuage noir des dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises en sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ces livres indicateurs. Préparation pour la crise finale. Chaque dimanche et chaque mercredi, de 10h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Vision d'Espoir, au nom de Jésus-Christ, je vous dis bonsoir. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus vous soient multipliées. Je suis vraiment heureux cet après-midi encore de vous retrouver sur la radio, télévision Vision d'Espoir pour poursuivre notre émission Préparation pour la crise finale. Je prends plaisir à vous souhaiter la bienvenue et bonne participation au programme de cet après-midi. Nous débutons avec le chant 115. Nous lirons jusqu'après Apocalypse 7, versets 1 à 4, et nous ferons la prière.
Nous lisons la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 4. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle aucun de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, à toi la gloire, à toi la louange, dès maintenant au siècle des siècles. Merci Seigneur pour la joie et le privilège d'être en ta présence sur la radio, télévision, Vision d'espoir, dans le cadre de cette émission Préparation pour la crise finale. Oui Seigneur, les crises en se multiplient à tous les niveaux et dans toutes les sociétés de la terre. Donc, nous avons besoin de nous préparer afin de les affronter avec l'aide de ton Esprit Saint en vainqueur et pour remporter la victoire. Donc, c'est pourquoi, Seigneur, nous réclamons cette puissance sur nous, sur tous ceux-là et qui ont choisi de s'engager dans cette lutte. Que ton esprit influence ce programme. Bénis chacun de nous, auditeurs, toute l'équipe de la radio. Fais-nous sentir ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Oui, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la radio, télévision, Vision d'espoir, l'autre fois encore, nous saluons. Et nous espérons que l'émission passée, nous t'ai prêts avec importance, qui était parlé du premier chapitre-là que nous avons ensemble, sur réforme. Réforme, mouvement réforme, ça qui est indispensable. Dans la vie chaque laodicéen, dans la vie l'église là en général. Et si, tant qu'on le dit dans l'Apocalypse chapitre 3, dans le chapitre ça noté où elle est, si nous pas voulons nous rejeter, donc par le témoin fidèle, Jésus-Christ, nous devons connaître dans la vie nous cette heure de réforme et qui est très indispensable pour nous capables de mener une vie à la ressemblance du Seigneur noir et pour nous propres, et quel que soit l'heure d'arrivée, il a fait appel à nous pour nous prêter pour le salut. Donc, nous allons aborder le deuxième chapitre là, dans l'émission ça, et qui est pour titre Seulement, le Seulement. Donc, tout chapitre a une importance, par eux, en gros, le livre là, il a une importance capitale, et pour tout le monde, tout chrétien qui remet tête, qui remet mon Dieu, et qui est conscient que ça, la Bible dit, c'est ça l'esprit et prophétie dit, donc c'est nous en face, vous capable d'accomplir. Donc, le scellement, c'est un chapitre qui est très important, et qui s'est là dans les, et comme sous-titre, il y a une synthèse là, il y a une description de l'événement, et qu'est-ce que le sceau de Dieu, quand le scellement se produira-t-il, et quelle sera sa durée, conditions nécessaires au scellement. Donc c'est ça, nous avons capable dans le deuxième et chapitre ça, qui c'est le scellement. Oui, mesdames et messieurs, frères et sœurs,
pour mon Dieu capable préparer petit Léo pour le temps de détresse. Il manifestait désir pour la poser sur le sceau de sa perfection. Donc, ce scellement est en cours et bientôt il vient pour l'achever. Donc, en réalité, seulement il commençait à la conversion et il prend fin à la fin du temps de grâce de chaque croyant. C'est-à-dire, au moment où le souffle a sauté, souffle de vie a sauté, le croyant, ou à la fin du jugement investigatif. Donc, seul monde qui préparé ou en conséquence pour recevoir ça, le sceau divin, ou seul monde aussi qui gagne pour sceller, est capable de sortir victorieux dans le temps de détresse, il vient pour frapper la terre. Et c'est seulement eux-mêmes qui après tout pour rencontrer le Seigneur lorsqu'il va retourner. Donc, préparation ça, qui ça vient là-dedans? Il vient là-dedans la purification du péché. Et ensuite, la victoire sur chaque défaut. Et c'est ça qui vient la préparation ça. Purification du péché et la victoire sur chaque défaut qui vient dans le cas croyant, dans le cas moun, et qui veut recevoir Jésus lorsqu'il a retourné très bientôt. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, succinctement, que nous sautons là dans Apocalypse 7, verset 1 à 4 là, et que nous sautons et commençons par les délits là, son opération spirituelle invisible que nous ne sommes pas capables de voir. Mais il est en cours et bientôt il vient pour l'achever à la fin du temps de grâce. Parce qu'il y a un temps de probation. Il a commencé pour chaque chrétien le jour de sa conversion. Et il a terminé pour chrétien ça à la fin de son temps de grâce. Donc le temps de grâce, c'est pendant que le souffle a conservé dans nous, nous avons une possibilité pour nous capables de prendre position pour Jésus, accepter son sacrifice, vivre pour lui dans l'application de sa parole. Et que ce soit à la mort du chrétien ou à la fin du jugement investigatif, seulement opération ça la prend fin. Et cette œuvre accomplie par les anges de Dieu et le Saint-Esprit, liguent pour devoir écrire les principes de la loi divine, y compris le quatrième commandement, dans la vie de toute âme qui soumet au Seigneur. Et seulement ça, il y a quatre objectifs que les deux accomplissent dans la vie de chaque petit bon Dieu. Et premier objectif, il y a pour accomplir, donc c'est fixer les principes de la loi de Dieu dans le cœur du croyant. Ça, c'est le premier objectif du seulement. Fixer les principes de la loi de Dieu dans le cœur du croyant. Et le deuxième objectif que seulement a accompli dans la vie du chrétien, c'est permettre à tout le monde qui est scellé d'observer fidèlement le sabbat lorsqu'ils seront au milieu de l'apostasie et en proie à une farouche persécution. C'est ça qu'on attend. Donc, et c'est ça qu'on est bien pour venir pour l'église là. Et dans le temps qu'on est venu là, c'est responsabilité, c'est objectif seulement. Je vais répondre encore comme deuxième objectif. Il permettra à ceux qui sont scellés, tout le monde qui est pour Jésus, d'observer fidèlement le sabbat. Pas dit, n'a pas observé ou bien. Donc, bon, oui, dit n'a pas observé. Et puis, Jean,
n'a fait bagarre aujourd'hui là, non? Mais il dit donc observez fidèlement le sabbat lorsqu'ils seront au milieu de l'apostasie et en proie à une farouche persécution. Lorsqu'ils seront au milieu de l'apostasie, comprendre ça qu'a fait là aujourd'hui là. Donc et si Dieu nous ouvre, si nous avons intelligence des temps, donc si nous quittons l'esprit bon Dieu entrer dans nous-mêmes et si nous va constater l'apostasie, donc il commence à foi, il commence à faire course. Donc à ce moment-là, donc ça c'est parce que nous pas garder comme observateur. Bon observateur. Ouais. Donc il est en proie à une farouche persécution. Ça c'est les persécutions qui va le déclencher. Donc troisième objectif seulement, il prépare les chrétiens à subsister pendant le temps de détresse et à vivre sans péché quand ils n'ont plus d'intercesseur. C'est une comprendre ça. Parce que dans le temps de détresse, ça n'a pas bien intercesseur encore. Oui, parce que le podcast a fermé, ça a fait fuite pour nous. Qu'on y a là, donc c'est pas persécution. Et ça, donc, et seulement tout le monde qui était scellé, il y a des possibilités parce que vous pouvez le préparer pour subsister pendant le temps de détresse et pour vivre sans péché et quand ils n'auront plus d'intercesseur. Et comme quatrième objectif, seulement, il les préserve de la destruction finale. Il les préserve de la description finale. Donc, tout le monde qui sait Léo, pas détruit dans la destruction finale. Mesdames et messieurs, nous retournons avec lecture Apocalypse 7, verset 1 à 4. Là. Et nous prêtons attention à ça, les dire. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre,
afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et nous allons voir comment déclarons ça que l'Esprit de prophétie fait à ce sujet. Mais ça le dit, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque quelconque visible dans ce que nous prêtons attention à ça. Il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque quelconque visible, mais d'un affermissement dans la vérité, à la fois intellectuellement et spirituellement, de sorte que chacun soit inébranlable. Il m'a répété une déclaration encore. Il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque quelconque visible. Donc, moi, pile le monde a interprété le rapti. Mais d'un affermissement dans la vérité, à la fois intellectuellement et spirituellement, de sorte que chacun soit inébranlable. Nous ne pouvons pas faire commentaire parce que nous sommes capables d'essayer nous-mêmes de comprendre. Et ça qui dit, l'Esprit de Prophétie dit dans la déclaration ça. Ça dit dans la déclaration ça. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, attention, prendront la marque de la bête. Les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Tandis que les uns, me répétez-le encore, me reprends une déclaration encore, tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête. Les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Les montrer là, il y a deux catégories de gens, de monde, de... Non, tant ça qu'on a parlé de lui là. Une catégorie qui a scellé avec Macbeth là. Donc c'est le monde qui va soumettre l'autorité au pouvoir terrestre. Et l'autre catégorie qui va recevoir le sceau de Dieu, qui va sceller le sceau de Dieu. Donc ça, c'est le monde qui va soumettre donc à l'autorité divine. Donc c'est à nous qui attendons et qui a les déclarations pour nous connait qui choix que n'a fait et dans qui camp que nous camper. Donc c'est très important qui choix n'a fait et dans qui camp que nous camper parce qu'il y a deux camps comme nous tous nous toujours qu'on est. Ouais. Donc et l'esprit de prophétie il continue à vous dire il me fut montré le temps où se terminerait le troisième message. La puissance de Dieu avait reposé sur ses enfants. Ils s'étaient acquittés de leurs tâches et se préparaient pour le temps d'épreuve qui allait venir. Ils avaient reçu l'appui de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur et leur témoignage en avait été vivifié. Il dit, le dernier avertissement avait partout retenti. Dans le nouvel il avait excité et irrité les habitants de la terre qui n'avaient pas voulu recevoir le message. Et il continue à vous dire, je vis des anges accourir ça et là dans le ciel. L'un d'entre eux
muni d'une écritoire, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints avaient été comptés et scellés. Amen. Mon Dieu, fais-nous grâce. Ouais, fais-nous grâce. Que les saints avaient été comptés et scellés. Puis, je vis le Sauveur qui avait exercé son ministère devant l'arche, contenant les 10 commandements, jeté à terre son encensoir. Il éleva les mains et s'écria d'une voix forte, c'en est fait. Aïe, 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 c'en est fait. Tandis que Satan lançait ses accusations et cherchait à détruire leurs troupes de ceux qui font partie du reste, l'Église de la Odyssée, de saints anges invisibles passaient ici et là, mettant sur eux le sceau du Dieu vivant. Donc ce sont ceux qui se tiennent sur la montagne de Sion, en compagnie de l'agneau, le nom du Père inscrit sur le front. Témoignage de page 212. Pendant que Satan, ouais, a lancé accusation, pendant que Satan a cherché moyen pour le détruire, ouais, pour le détruire, le monde qui était dans le reste là, le reste, dans le reste là, et bien, les saints anges de Dieu, invisibles, ouais, ou même, il a passé ici et là, parce qu'il est en action. Et puis, il a fait travail. Bon Dieu, vous venez faire, scellé. Ouais, il dit sceau. Scellé avec le sceau ouais, du Dieu vivant. Tout ça pour bon Dieu, tout ça pour sauver. Et c'est là, ouais, il dit c'est Moun qui parle sur la montagne de Sion. En compagnie de l'agneau, le nom du Père inscrit sur le front. Donc, moi, ensemble avec vous, qui attendez et qui appelez, et ça qui écrit dans la préparation pour la crise finale, ça, donc, qui est très important pour nous, dans le temps que nous sommes là, qu'on y a là, donc, en nous assurer nous, que nous affermissons ça dans la vérité, en nous assurer nous, on va fermer nous dans la vérité et seule force qui est capable d'aider nous. Donc, c'est la force du Saint-Esprit. Donc, à quel que soit niveau nous, donc pour que nous soyons capables de compter. Et parmi les gens qui apprécient voir sur ça, et qui parlent avec Jésus, donc, dans jour ça, comme les gens qui ont apporté la victoire. L'Esprit de prophétie continue à vous dire, ce scellement des serviteurs de Dieu est celui dont Ézéchiel a eu la vision. Jean a aussi été témoin de cette révélation impressionnante. Il a vu la mer et les flots en furie. Les hommes rendent l'âme de terreur. Comment c'est là? La terre secouée par un tremblement et les montagnes transportées au milieu de la mer. Ce qui se passera littéralement. Tout ça, le terreur, tout bien pour passer littéralement. Pour le vivre au monde qui va avoir le privilège de vivre dans le temps. Dont l'eau écumait et grondait, ébranlant les montagnes par la force de ses vagues. Il vit les plaies, les pestes, les famines et la mort accomplir leur terrible mission. Ni Ézéchiel, ni l'apôtre Jean, en vision, ils ont dit ça qui se dit là, vient pour arriver sur la terre avant le Seigneur retourner. Bien-aimés, mesdames et messieurs, nous presque arrivés dans l'heure pour nous terminer l'émission pour après-midi. Et nous parlons pour nous-mêmes trois derniers paragraphes
dans sous-titre description de l'événement, toujours deuxième chapitre, et qui parlait du scellement. Nous parlons libre même sans l'esprit de prophétie dit. Dans trois derniers paragraphes, ça y est. Et nous avons même qu'on prête attention. Il dit, on voit l'ange le plus puissant de tous monter de l'Orient, c'est-à-dire du côté du soleil levant. Et l'ange ça, il kembe nan men le sceau du Dieu vivant. Le sceau de celui qui seul peut donner la vie. De celui qui seul peut inscrire sa marque sur le front de ceux qui recevront l'immortalité, qui recevront la vie éternelle. Donc, tout le monde nous connaît que l'homme est mortel. Et seul le monde qui a recevoir l'immortalité, c'est le monde que bon Dieu peut sceller avec Saul dans le temps que nous sommes là. C'est le monde que bon Dieu a scellé. Il va absceller avec Saul. Dans le temps que nous sommes là. Et c'est le monde surtout qui seul peut gagner la vie éternelle. Et deuxième paragraphe là, ou avant-dernier paragraphe, n'a plus pour midi, c'est le Seigneur accomplit son œuvre. Eh bien, le Seigneur accomplit son œuvre. Le ciel tout entier est en émoi. Le juge de toute la terre va bientôt s'élever. Attendez bien. Pour venger les insultes faites à son autorité. Oui, juge la terre pour lever. Le juge de toute la terre pour lever. Parce qu'il y a trop d'insultes faites à l'autorité, mon Dieu, je vous dis là. Il va lever. Donc, je vais faire un commentaire, mais quand même, le texte ça pour nous. Attendez. La marque de la délivrance sera mise sur les hommes qui observent le commandement de Dieu. Amen. La marque de la délivrance sera mise sur les hommes qui observent les commandements de Dieu. Les hommes qui révèrent sa loi et refusent la marque de la bête ou son image. Mais qui est ce monde? Mais qui est ce monde? Marc, bon Dieu, après le suyo. Marc, délivrance, après le sous monde, ça. Et dernier paragraphe là, m'appelez vous-même, c'est quand il dit actuellement, attendez bien, actuellement, Pendant le scellement, Satan déploie tous ses artifices pour détourner le peuple de Dieu de la vérité présente et le faire hésiter. J'ai vu que le Seigneur avait jeté un manteau sur son peuple afin de le protéger pendant le temps du trouble. Et que toute âme qui a accepté la vérité et dont le cœur est pur sera couverte par le manteau du Tout-Puissant. Amen. Dans le dernier paragraphe, nous sommes là, là pour nous mettre fin à un programme après-midi là, qui est vraiment important pour moi, pour vous et pour tout le monde qui a suivi l'événement. Pas comme des simples spectateurs, mais des gens qui, non seulement, qui ont constaté, mais qui prend part dans ce qu'ils ont fait dans le dernier temps. Il dit actuellement, pendant moi avant de vivre là, qu'on y a là, pendant que seulement a fait ta connaissance, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Satan lui-même l'a déployé tout artifice, toute énergie, toute astuce. Et tout ça le gagne dans le pouvoir pour détourner le peuple bon Dieu de la vérité présente. Est-ce que nous ne pouvons pas constater ça, mes amis? Pour le faire hésiter. Ça qui a passé là, je vous dis, nous pensons que c'est Barak qui a fait comme ça. Nous parlons, tant que mon ami a fait un commentaire avec lui, dit Jésus a déclaré son défait. Et si ça me cap accompli là, qu'on y a là. Quand le fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Ouais, on déclare ce que tu fais, la parole de Dieu. Quand le fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Non, pas c'est ça qui a passé là, je vous dis là. Ouais, donc ça c'est travail ennemi hein, qui utilise toute sa gain à sa disposition ouais, pour être capable de détourner le peuple de Dieu
de la vérité présente et fait hésiter, c'est-à-dire à diminuer la foi. Donc, et il dit encore, moi, ouais, heureusement, moi, ouais, et sa servante l'a dit, lui, ouais, et fort heureusement, ça, ouais. Et c'est ça qui vient comme exhortation pour nous dire à soi, après-midi, à c'est-à-dire, pendant que nous avons fait notre programme. Et son très belle exhortation qui sert votre lavoué pour nous après-midi. Il dit, j'ai vu que le Seigneur avait jeté un manteau sur son peuple. Et pendant que Satan a retiré en bas de la, pour la foi, pendant que Satan a découragé nous, pendant qu'il a fait tout ça qui dépend de nous, de lui, de pour capable de nous l'autre l'évangile, faire nous croire l'autre bagaille, faire nous pratiquer l'autre bagaille, eh bien, il dit, Seigneur, la lumière que ça fait, eh bien, il jetait un manteau sur le peuple afin de protéger ce peuple dans tant de troubles ça que nous commençons ouais, et qui va venir puis dense, ou bien plus grandiose, plus devant. Il dit que toute âme, il bien dit toute âme qui a accepté la vérité, et pas tout le monde, toute âme qui a accepté la vérité, et pas tout le monde qui dit aux chrétiens, non, pas tout le monde qui a porté nos dire, dans telle église, dans telle religion, toute âme qui a accepté la vérité et dont le cœur est pur. Mes amis, et dont le cœur est pur sera couverte par le manteau du Tout-Puissant. Amen. Second côté qu'a caché, c'est en bas manteau ça. Second côté, on doit venir reposer sans bas manteau ça. Et c'est la raison pour laquelle et moi toujours avec tête moins. Donc on va peur ça gain pour venir. On va quitter me troubler pour ça qu'a venir. On seule responsabilité me doit prendre, on seule bagarre qui me doit faire prendre décision avec la vie. Donc c'est rester caché en bas manteau ça et depuis en bas manteau ça, moi en sécurité. Depuis au monde en bas manteau ça ou en sécurité, mais les bonnes conditions pour en bas manteau. Donc c'est accepter la vérité et maintenant chercher la pureté, la sanctification du cœur. Et pour capable rester couvri en bas manteau ça et quoi qu'il arrive ou quel que soit ça qui pour venir qui vous faites là, eh bien la vie nous cacher et aucun malheur pas privé. Et l'élève va arriver pour manteau délivrance. Pour délivrer, jour délivrance arriver, ou à participer. Et parmi les gens. Que mon Dieu bénisse nous après-midi. Et qu'elle aide nous. Et accepter. Et faire tout ça qui dépend de nous. Avec l'aide du Saint-Esprit. Pour nous capables. Parmi tout le monde. Qui a scellé. Et pour jour de tout ça. Pour tant de tout ça qui vient pour venir. Et fort heureusement, pour nous, Jésus a tant nos manteaux. Et pour nous rester cachés en bas manteau, ça. Et ainsi, nous ne va pas les sceller et qui va recevoir l'immortalité et qui va recevoir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse tous. Dans le ciel, il veut.
N'a prié, bon Dieu. Seigneur, papa, nous sommes dans celle-là. Nous sommes contents de passer ce moment-là. Nous sommes ensemble avec l'autre. À part, tant de paroles. Et recevoir avertissement qu'on voyait pour nous. Et attirer attention nous. Sous eux seulement ça qu'on commençait à. Depuis nous t'acceptons ensemble avec vous, la fête dans la vie nous, jusqu'à ce que l'air va arriver, ou bien qu'on souffle dans nous, ou bien on bat nous la joie, pour nous assister dans fin temps grâce là. Nous demandons autant pour Seigneur, pour continuer œuvre ça dans la vie nous. Nous demandons de permettre que les paroles soient, nous sautent les a, nous autant des a. Fais chemin dans la vie, non. Aidez-nous pour toute disposition que nous devons prendre. On accepte la parole de vérité. Oh. Et pour nous quitter Saint-Esprit à faire travail de purification dans notre cœur. Non. Pour nous capables de vivre dans l'autre monde. Alors que l'adversaire a fait tout ça qui dépend de lui. Pour nous entraîner sur le mauvais chemin. Aussi ça nous a passé là aujourd'hui. Et c'est constat ça que nous fait. Mais nous demandons tant pis. Aidez-nous à rester cachés en bas manteau grâce. Aidez-nous à rester cachés en bas manteau délivrance. Aidez-nous, Seigneur, à rester cachés en bas manteau protection. Là. Et quel que soit ça que tu as venu pour le passer, et pour joindre nous cachés là. Et comme ça, nous allons sortir vainqueurs dans le combat. Ça. Nous demandons aux présences de l'Esprit Saint. Pour tout le monde qui était sous ligne là, nous demandons présence Esprit Saint et pour institution ça commettée et pour et venir avec un de réveil et de forme ça, pour encourager peuple pour capable réveiller pour réformer. On va bénir institution à tout le monde qui la donne. On va bénir tout le monde et qui t'a prend part et qui t'a tendé et fait que ouvrez cœur, ouvrez yeux avec cet esprit à Wenda, avec un collier, t'as connu tes well dans le chapitre réforme, pour capable ouais, dans qui tant que vous y et qui position de prendre, et qui est ce qui choix que vous devez faire, qui est capable meilleur pour rejoindre le salut en partage. Nous demandons autant prie Seigneur, agis, agis dans nous, agis pour nous et agis avec nous pour gloire nous capable éclater. Pour bonne petite ou capable fête, nous prions comme ça. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est un plaisir pour nous d'ensemble. Donc nous espérons que le moment ça nous passe, c'est une bénédiction pour nous. Donc que bon Dieu continue à assister, nous veiller sur nous. Et rendez-vous à nos casselles pour la prochaine. Donc, merci beaucoup. Donc, que la grâce du Seigneur continue de nous accompagner. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Les jours passent. Les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre. Des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir. Pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre, la radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise. Le mercredi, à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur, Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment.
Soyez branchés. Écoutez Radio Vision d'Espoir. Radio Vision d'Espoir, émettant depuis New York. Radio Vision d'Espoir, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Radio Vision d'Espoir, votre radio. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée « Santé et bien-être ». Dans l'émission « Santé et bien-être », nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission « Santé et bien-être » sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.